Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet unboxing sur... Oui, comme les Kinder et soulèvement de la fureur. Voilà, on a acheté une display à deux, je crois que c'est ce qu'on va faire assez régulièrement. Ça divise le coût et au moins bah, on partage les cartes et on n'a pas forcément envie d'avoir toutes les cartes qu'il y a dedans. Du coup, c'est même pratique. Donc je suis avec... Marine, secrétaire. Voilà, c'est mieux avec Curiosity. Donc, présente-nous cette display. Bonjour, voici la display de soulèvement de la fureur. C'est une display de cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est la nouvelle qui vient de sortir, surtout, c'est le plus important. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? Des cartes. Mais encore. Quoi avec comme type de carte? Il y a pas de... Attends, il y a un décrit derrière, il y a écrit Konami. Antisèche. Les saucettes de l'arcidicesse. Je l'ouvre ou tu l'ouvres? Vas-y, te coupe pas. Alors les enfants, si vous ouvrez des displays, demandez pas à vos parents. L'aide de vos parents. Un ciseau peut être très coupant. Voilà. Oh, attends, c'est comme ça. Ouais. Vas-y, mets le présentoir et tout. Alors attends, je mets le présentoir. Et tout. Voilà la magnifique display. Ce qui nous fait donc combien de boosters chacun? 12. 12. Honneur aux dames. D'accord. Donc tu commences. Elle sait trop bien les ouvrir. Quoi. Des années et des années d'expérience. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Ouais, elle nous montre pas la plus belle qu'on aura. Dino lutteur, martial. Ouais, parce que dedans, il y a le dino lutteur, ouais, ça j'avais vu. Brigand d'Endymion. Ok. Défenseur du labyrinthe. Honte de Fouma. Esprit Teini, Mapuro. C'est une Wyrm? Ouais. Wyrm, ouais. Wyrm. Lien mail arc-démon. Un monstre cyber, c'est bien. J'aime bien les arc-démons. Ouais, bah tu veux compter faire un deck arc-démon. Bah, c'est Valkyrie que je veux, mais ça sera pas avec cette display. Non. Phase debug. Dragon DMZ. Et... Courant Marincesse, les fameuses Marincesses. Moi, j'ai dit Marincesse. Oui, tu t'appelles Marincesse, c'est beaucoup plus drôle. Enfin bref, c'est le nouveau archétype. Ça marche. Quand c'est des cartes qu'on a déjà vues, par contre, on les passera assez rapidement. Oui. Alors, étoile de mer marin. Marincesse. C'est bien parce que moi j'ai une traductrice. Kikinagashi Fushu. Je suis dyslexique. Non, je déconne. En train d'apprendre le français. Défenseur du labyrinthe que tu as eu juste avant. Le défenseur du labyrinthe. Ah merde. Oui, merde, oula. Bah, pas... Moine de Teni. Teni, c'est aussi un nouvel archétype. Kapsuki, ah bon oui. Ah bah oui, c'est vrai, je suis con. Reculien. Dragon DMZ que t'as eu, Simog, l'oiseau de la calamité et le rideau d'empêchement. Bon, ça va. Après, on va séparer un petit peu, enfin, on regardera ensemble et on échangera les cartes l'un et l'autre. Sans vraiment regarder le prix, on s'en fout. Oui, non, on n'est pas comme ça. Voilà, faites partie de la team Mary, on échange des cartes sans les prix. Un dragon blanc contre une vieille merde. Oui, maintenant, on s'en fout sur l'ouverture. Ouais, les premiers, d'ailleurs, il est où celui que j'ai ouvert, moi? Là-bas. Ah, d'accord. Communication avec Yosenshu. Oh, tu peux ouvrir plus bas, hein. Tu es obligé d'être aussi haute. Hein. Mmh. Étoile de mer, Marincesse, tu l'as eu aussi. Ouais. Renryu, Vision Fortune. Oh. Elle est jolie, ouais. Elle est très jolie. Rafale Hypernova, Octroi de l'héritage du monde. Onyxis. Oh, numéro 29, le charanquin. Magicien. Magicien. Ah. Dites-moi, mais... Ah oui, non, mais c'est... Non, mais oui. Non, mais parce que voilà, quoi. Ah oui, oui, c'est un argument qui vaut le coup, bah ça, oui. Non, mais parce que voilà, tout à fait. Répulsion Simorgue. Ok. N'hésite pas à parler légèrement plus fort pour éviter que ça me fasse chier au montage, de devoir augmenter le son à chaque fois que tu dois parler. On m'appelle Casse-couille. On t'appelle l'OVNI. Non. Voilà. Casse-couille, ça, oui, ça, je confirme. Depuis des années, on t'appelle Casse-couille. T'aurais dû t'appeler... du pseudo sur la play, secrétaire casse-noisette. Du coup, décharge de pioche, vénération du vent de Yosenju Sabu, ferveur psychique, vision fortune, j'en ai une aussi, ouais. Rafale hypernova, ouais. Yosenju Izna, rideau d'empêchement et étoile brillante GT Fa. Les fameuses cartes FA. FA. Fallait pas. Fallait. Je vais me cacher. Ça me fait 2000 d'empêchement en fait. Sur deux boosters. Ouais.
Moi, je cherche principalement des Link et des Xyz en fait. Donc, pour l'instant, ça va. Alors. Volfester. Tester. Volfester. C'était fou. Tige réseau. Dino lutteur martial, mais en kilo. Kiki Nagashi Fucho. Quoi? Kiki Nagashi. Putain, le dit d'une vitesse. Rembobinage de demoiselle de fortune. Bah, moi, je sais lire en fait. Oh. Mayo Senju. Putain, elle est belle. Hydre Reptilia. Elbos, le terre sacrée de Simorg. Recul lien. Ok, remontre la pendule que t'as eue. Elle est magnifique, je trouve. Elle a l'air. Elle est belle. J'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup. Ok, nice. Un très beau dragon. Ouais, franchement, elle est jolie. Après, je joue pas pendule, mais elle est jolie. Bon, bah, celle-là, j'ai explosé. Je l'ai explosé. Donc, alors. Miroitement illusien. Illusien. Oui, plutôt. Kiki Nagashi Fucho. Ah ah. Oui, bah, tu t'en rappelles rien. Simon, l'oiseau de la protection. Esprit Tenny. Oh, il est beau. Tana. Mais l'esprit Tenny, c'est pas ceux qui ont été dans la balise qui ont été modifiés, il me semble. Le retour du dragon tempête. C'est un nouvel archétype. Oui, pas dans les nouveaux, mais dans les anciens. Courant Marine 16. Je crois que je me trompe, je dois confondre. Marine 16, pardon. Hydre Reptilia. Étoile brillante GTFA. Et Elborz, les terres sacrées de Simorg. Ok, bon, pour l'instant, des petits doublons quand même. Ouais, un petit peu déjà des doubles. Ouais, ça déjà des doubles. Ouais, ça va vite. Bah, après, je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux archétypes. Il y a Marine 16. Tenny. Il y a un peu de TG. De GT, pardon. C'est FA, c'est pas GT. Ah, c'est FA, ils ont fait ça. Oui, dans l'autre sens, c'est un archétype. TG, c'est un archétype, mais GT. Dragon Ball GT. Brigand d'Endymion. Furet. Toi, tu voulais faire un deck furet, tu disais, il n'y a pas assez de furet. Associmo. Réceptacle pour le cycle du dragon. Miroir des rêves de la joie. Putain, elle est magnifique, la carte. C'est une carte terrain. Ouais. Attends, faut voir ce qu'elle fait, je vais la lire. Vas-y. À haute voix. Durant la end phase, vous pouvez bannir cette carte, activer un miroir des rêves de terreur directement depuis votre main ou deck. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Les monstres miroirs des rêves que vous contrôlez ne peuvent plus être ciblés par des effets de carte de votre adversaire ni des attaques de monstres. Ah ouais, d'accord, ouais, ça donne une immunité sur des monstres. Bah ouais. Alors, octroi de l'héritage du monde, fureur du feu. Pour le monde extrêmement grand, je pense. Ouais. Rideau d'empêchement et secteur à peur. Oui, voilà, il y a aussi les monstres dinosaures dedans. Elle est connue, le secteur. Elle fait ses griffes dans le carton. Du coup. Là, je l'ai bien ouvert. Oui. Bravo. Alors, les cartes sont bizarres dedans, par contre. J'ai l'impression qu'il est un tout petit peu plus lourd. Alors, est-ce que c'est une impression mentale ou pas? Alors, Simorg, l'oiseau du commencement. D'accord. Communication avec Yosenju Orochi. Furet interlaceur. Putain, j'ai rien intercalé. Randryu. Ah, oh, Randryu. Ça me parle, Randryu. Ça me parle. On l'a déjà eu, je crois. Ouais, non, mais ça me parle même, peut-être dans un manga ou autre, mais Réceptacle pour le cycle du dragon, j'ai le même que toi. Cheval de mer Marincès, phase des bugs, douleur des pays Yosenju, et le bloqueur Barricade Borg. Ok, ça monstre machine. Ok, parce que Borg, ça fait un peu plus insecte en anglaise. Ok, nice. Ouais. Hey, Beetleborg, tu connais encore pas. Encore des doubles. Hein. Ouais. Non, ça me dit rien. C'était un truc un peu comme les Power Rangers. 1, 2, 3, 4. 7, tu dis maintenant qu'il reste du bouton en vert que 4. Ça fait déjà quand même un sacré paquet. Oui, ça va vite. Ouais, t'achètes une display et tu peux faire un deck en fait. Si t'as de la chance, ouais. Alors, communication avec Yosenju Orochi. Orochimaru. Dino Lutteur. Oh, Dino Lutteur, ouais, là-dedans il y en a pas mal. Décharge de pioche. Bien cette carte. Simorg, l'oiseau de la protection. Oh. Berserker du tennis. Pour rien. Enfin, ça montrera 3000 en ligne 3. Hein. Ouais. Donc, Chevalier Dragonité Romulus. Recule lien que déjà. Les chaman. Putain, moi j'en veux un de chaman. Cooper Cut. Attends, deux secondes, je veux juste voir. On va regarder en même temps avec sur la cam. Mais ouais, alors. Faut juste deux plus monstres, un monstre en lien inclus. Donc d'accord, faut deux monstres plus un monstre en lien. Donc en fait, tu fais lien Kuribo et derrière, après tu le mets, t'as un monstre à 3000 en link.
Par contre, en ligne envers le bas, elle en a qu'une, c'est un peu dommage pour. C'est-à-dire qu'il faut derrière faire une autre link sur le côté pour relink derrière une link. Je me comprends. Ouais, ouais. On verra pour l'épisode 3 de Duo Yugi. Alors, du coup, il y a la table avant parce qu'elle bouge pas mal la table. Normalement, ça devrait pas se voir sur la cam. Normalement. Du coup. Hop là, on se spoil pas. Alors. Voltaison. Bon, là, par contre, ça va se voir. C'est bon, t'as réussi à la caler? Non, non, carrément pas. Voltester, je m'occupe après. Yosenju Sabu. Scarabée réversible. Vic Viper T301. Simorgue de l'obscurité. Yosenju Izna. Magicien Magistrique, pardon. Simorgue l'oiseau de la calamité. Et numéro 29, enfin le chamanquin. Yes. Je suis occupé de la table, je vais disparaître. Évidemment, je lui s'épate à la table. Ah, je vois où est le problème. Capitaine. Nice. Hop, j'ai attendu, j'espère qu'on a pas vu mon cul. Jamais en plagiste, il fait chaud, c'est la canicule. Reprenons, du coup. Yes. On n'est pas là pour parler canicule. Même s'il fait très chaud. Même s'il fait très chaud. Ah, c'est bon, on n'en a pas parlé. Vas-y, je vais faire mon prêt. Alors, Assaut Simorgue, Yosenju Sabu, Vénération du Vent, Yosenju, Ascendant du Feu. Oh! Monoceros Aura Blanche. Monstre croissant, ouais, c'est trop bien. Coldo. Coldo. Cryonique, cataclysmique. Ok. Rideau d'empêchement. Étoile brillante GTFA. Et Simon, l'oiseau de la calamité. Ouais, ils ont du mal à sortir les secrets. On en a pas parlé, mais on a reçu ça aussi. Des un classeur chacun. Ouais, le mien, on le voit, il est. Et tu l'as commandé. Tu as commandé sur Classite. Sur Yugi Bazaar. Ce n'est pas un placement trop dur. On dit merci à Yugi Bazaar. Ouais, ils étaient en solde donc. Ça fait un classeur en plus hein, pour manger toutes ces cartes parce que ouais. Plus on commence à en avoir là, ouais. Quand c'est trop pico. Ce n'est pas non plus un placement pour les on va prononcer plein de marques Coca-Cola, Fanta, Sprite, McDo. Voilà, hop, ça c'est fait. Alors, Voltester à nouveau. Oh tu l'as déjà. Miroitement d'illusion. Ouais, mais elle est jolie, j'aime bien avec le cristal. Tige réseau sage, je l'ai pas eu par contre, on l'a pas eu encore. Okay. Bataille Céleste, Simor. Ah bon mm-hmm. Ascendant Feu que t'as déjà eu. Ouais. Lien Mei Arc Démon, on l'a. Tu l'as eu? Oui. Putain, j'ai pas fait gaffe, merde. Fureur du Feu. Octroi de l'Héritage du Monde. Et Coldo Cyrone Cataclysmique. Ok, nice. Next. Non, qui voulait des Xyz et des Links, ça va. Le tambour se fait. On approche de la fin. Ah non, non, quand même, on a la moitié, je crois. 1, 2, 3. Ouais, on a la moitié. Ah oui. Invocation Sextette. La moitié, il reste 13 minutes de vidéo. Bataille Céleste Simorgue. Ranryu. Ferveur Psychique. Pouvoir des étoiles. Oh, nice. Morphée Chevalier Blanc du Miroir des Rêves. Putain, elle est belle. Ouais. Répulsion Simorgue. Coldo Cryonique Cataclysmique. Et Dinoluteur Rambrachio. Ça va, Rambrachio. Rambrachio. Hop, alors, onde de Fuma. Ranryu. Communication avec Yosenju Orochi. Le moine de Tenny. Avida. Oh, reconstructeur des mondes. Elle est jolie, putain. 3005, commence à cyber, c'est pas mal. Douleur d'épée Yosenju. Numéro 29, chamanquin. Coldo Kironique. Et bloqueur. Ok. Barricade de bord. Ça va. Moi j'ai pas d'envie particulière ce display, si ce n'est la carte qui coûte cher. Enfin, c'est trop beau. Mais ce qui est bien c'est que je sais pas c'est laquelle, donc du coup c'est ce moment-là. Non je pense pas. Je sais juste qu'il y a une carte qui vaut hyper cher dans cette display. Que bah si on l'a, bah, on saura même pas, donc on pourra même pas le faire. Oh oh la David Lafarge parce qu'on sait même pas c'est laquelle. Ça fait quand même un sacré paquet. Alors Dinoluteur Martial Ankylo, défenseur du labyrinthe. Simorgue l'oiseau du commencement,
Big Viper T301, Roche Marbré Marincès en secret. Elle est magnifique. Ouais. Baba coiffeuse derrière. Hydre Reptilia, Magnicien, Mekasteros, Yosenjur Izna. Voilà. Nice. Très belle carte secret rare. Enfin une secret. Du coup, alors, Simorgh d'oiseau du commencement, Scarabée réversible, miroitement illusien, le retour à la normale, ok, on l'avait pas encore, elle est cute. Rembobinage demoiselle de fortune, ouais, sympa. Hurlement blanc, bloqueur barricade Borg et Cooper Cut, ainsi que fantaisie du miroir des rêves, nice. Essayez d'enchaîner rapidement parce que bon, on a quand même pas mal les mêmes, par deux, je m'arrête juste quelques secondes sur ce qu'on a déjà. Bataille céleste de Simorgh, étoile de mer Marincès, Simorgh l'oiseau du commencement, Scarabée réversible, réceptacle pour le cycle du dragon, Avida, reconstructeur des mondes, étoile brillante GTFA, ouais. Secteur Raptor, phase debug. Putain, ça fait deux, tu l'as eu deux fois quoi. GGGG. Arrache d'intérieur. Alors, brigand d'Endymion. Oh putain, les pliés. Super, on va m'offrir une carte pliée. Simorgh, l'oiseau de la protection. Voltester. Oh putain, pas mal, ça monte en 2005. Point de sang égal au tennis. Ok. Sculpteur d'esprit. Oh ok. Hydre Reptilia. Coldrossi chronique cataclysmique, Simorgh l'oiseau de la calamité et magicien mégitrique. À toi. Elle est jolie. Sculpteur d'esprit, elle est cute. Ouais. Vous pouvez sacrifier un monstre, ajouter un monstre depuis votre deck à votre main. Dans la somme d'attaque défense d'origine est égale à la somme d'attaque défense d'origine du monstre sacrifié. Pas mal. Non, j'ai des boules de scanning qui est plus. Alors, ferveur psychique, Kikinaga Shifucho. Simorgh l'oiseau de la protection, Esprit Taini Naata, Monocéros aura blanche, deuxième fois. Douleur d'épée Yosenjo, numéro 29, Chamanquin, Répulsion Simorgh et Dino Lutteur Rambrachio. Bon. Du coup, rien. Enfin, rien de neuf. Oh putain. Oh! Invocation Sextet. Et pas c'est que sexta. Ouais. Étoile de mer Marincès, Ranryu, Yosenju Sobu, Simorgh, l'oiseau de l'apport. On l'a pas vu celui-là. Je crois pas. Ok. Oh, Mayosenju Ito. Celle que t'as eu en. Ouais, c'est pareil, je l'ai aussi. Douleur d'épée Yosenju, Yosenju Izna, Sectoraptor, et c'est la fin. J'avais cru qu'il y en avait une autre, j'avais quand même. Et non. C'est la dernière. Brigand d'Endymion, Furet Interlaceur, Défenseur du Labyrinthe, Ranryu, Protection sans défaut du Tenui, Morphée Chevalier Noir du Miroir des Rêves, oh, trop bien, Recule Lien, Fantaisie du Miroir des Rêves et Dragon DMZ. Après ça, DBZ. Et alors, Asso Simorgh, Honte de Fuma, Tige Réseau, Esprit Ténu, Mapura, nanana, Simorgh de l'Obscurité, Fantaisie du Miroir des Rêves, Fureur du Feu, Combat à la Déloyale et Dragon DMZ. Ok. Ah, c'est ton dernier. C'est mon dernier. Et moi aussi, il me reste un. Ouais. Donc, c'est les derniers boosters. Coup de chance ou pas. Roulement de cartes. Je vais exploser le dernier. Communication avec Yosenju Orochi. Tige Réseau. Asso Simorgh. Esprit Teni Vishuda. Simorgh de l'Obscurité. Douleur d'épée Yosenju. Fureur du Feu.
Dinolutor, Rambrachio et Sectoraptor. J'ai même pas eu Sectoraptor, moi, je crois. Si, tu l'as eu au moins 15 fois. Sérieux? On l'a tous les deux eu 15 fois. Hein. Bah, je vérifie, mais je suis sûr que non. Ah bah, tu viens... Le booster d'avant, tu l'as eu. Ah bon? Ouais. Putain, moi, j'ai une mémoire vraiment à court terme. Ondofuma, Brigand d'Endymion, Vénération du Vent Yosenju, Dinolutor Martial Ankylo, Pouvoir des Étoiles. Oh, Anémone Corallienne Marine Cess. Putain. En secret, c'est celle que j'ai eu aussi. Ouais, il me semble que tu l'as vu. Elbrus, les terres sacrées de Simorgue. Dino Lutteur, Rambrachio. Répulsion, Simorgue. Pour la dernière carte. Et voilà, ce sera tout ben, pour ces displays. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, à dire dans les commentaires si vous avez eu des cartes ou si certaines cartes, je suis passé à côté en mode « Mais t'es fou, cette carte-là, elle est géniale !» N'hésitez pas. Et non, ouais, on n'a pas eu la même. C'est laquelle, toi, Marie, c'est ce que t'as eu? Les deux secrets qu'on a eu. Un roche marbré et toi on pourrait faire un deck Marine Cess. On pourrait franchement avoir pour peut-être les Yugi samedi. Sur ce, on fait des gros bisous, on dit à très bientôt, n'hésitez pas sur YouTube, Twitter, tout ça, nous suivre la chaîne de Marine aussi. On fait des gros bisous, on dit à très bientôt, salut. Gros bisous, salut.